à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 13. Je déteste ce chiffre 13, je ne peux pas me le blairer. En espérant qu'il me porte chance aujourd'hui. Hein. Mon chat vient de se réveiller, il a dormi avec moi toute la nuit comme d'habitude, il était trop mignon. Et là il est un petit peu tard, on va pas se mentir, vu que je suis sortie hier, je suis allée en boîte, je suis rentrée à 5h30. Là il est 11h30. J'arrive à un call à 9h, du coup je me suis réveillée à 9h pour faire ce call, après je suis allée directement me recoucher. Je voulais vous faire une petite morning routine, bon on n'est pas vraiment le matin mais je fais ça à chaque fois. Donc le matin voilà, je me lève, j'ouvre un petit peu les volets, je fais vite fait mon lit, je fais mon café, je pense que ça vous le voyez dans tous les vlogmas, le café est très important. Je prends un pain au chocolat, une banane ou un truc comme ça pour manger le matin. Et je regarde des vlogmas, je regarde une vidéo vlogmas le matin pour essayer de me réveiller un petit peu. Je suis pas trop sur mon portable, je vous avoue, le matin. Je calcule pas trop, je vois que j'ai beaucoup de notifs, donc je ferai ça plus tard. Mais le matin c'est vraiment que pour moi et pour me réveiller parce que je ne suis pas du tout du matin. Moi je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se lever, je n'aime pas le matin. Et en plus là il y a les jardiniers qui sont en train de faire la débroussailleuse ou je sais pas trop quoi là. Je suis à bout, j'étais réveillée par ça. Ah, il y a mon père qui m'appelle. Ça change. Ah oh, ça va et toi? Ah ouais, alors ça va? Il a dit quoi le médecin? Votre appel a été mis en attente. Ah les parents qui touchent avec leurs oreilles. Les boutons. Votre appel a été mis en attente. Patrick! Tu pars dans le vide! Ah il a raccroché. Allô? Ouais, tu m'as mis en attente. Ah bon? Avec ton oreille. Oui, sûrement, oui. Bon, du coup, une heure plus tard. Je déconne. Non, ça a duré, je pense, une demi-heure. Mon café est froid. Les gens m'appellent toujours dans des moments où il faut pas forcément m'appeler. Mais bon, je les aime quand même. Hein. Par exemple, pour petite anecdote, à chaque fois que mon voisin m'appelle, je suis soit aux toilettes, soit sous la douche. Mais genre, qu'il m'appelle pas au téléphone, mais qu'il m'appelle à l'interphone. Ou tu vois, genre. À chaque fois, c'est une catastrophe, il m'appelle au mauvais moment. Donc je vais prendre mon petit déjeuner en regardant une petite vidéo YouTube. Programme d'aujourd'hui, donc je voulais vous filmer ma petite morning routine, vous montrer ce que je fais le matin, ce que je vous montre pas forcément dans les vlogmas tout le temps. Donc une petite morning routine, on va faire les soins, on va faire le make-up, on va faire peut-être les cheveux. Je vais faire un tout petit peu de ménage quand même ici parce que c'est une catastrophe, on va ouvrir les calendriers de l'avant. Et surtout cet après-midi, j'ai un date. Donc il faut que je ressemble un minimum à quelque chose. Et voilà, on va se retrouver à Place Monge, place de la contrée Scarpe, je crois, un truc comme ça. Avant, je stressais pour les dates. Là, maintenant, j'en ai tellement fait que ça ne me fait plus rien. J'ai même plus d'excitation, j'ai plus rien là. Franchement, j'y vais, mais en mode, vas-y, j'y vais, quoi. Sinon, hier, on était en boîte de nuit, on était au duplex. Pour ceux qui connaissent, qui connaissent pas, c'est à l'Arc de Triomphe. En fait, c'était un pote qui a eu son CDI chez LVMH en tant que responsable, etc. Du coup, comme c'est un truc de ouf. Il m'a appelé, il m'a dit Lisa, ça y est, tout, j'ai le CDI, viens, on va en boîte ce soir. Et là, j'étais en mode, oh. Il m'a dit, vas-y, viens. Il m'a fait les yeux doux. Du coup, je suis allée en boîte. Alors, j'étais éclatée au sol. J'ai quand même mis une belle robe et tout. On a vraiment bien dansé. On s'est beaucoup amusé. J'étais tous avec mes potes et tout. Vraiment, c'était trop drôle. Donc, c'était vraiment plutôt pas mal. On est rentré à 5h30. Oh putain. Ah, le réveil était dur ce matin. Et voilà, écoutez, c'est parti pour cette petite journée assez sympathique, cette petite morning routine spéciale Noël. Et ouais. Du coup, on va regarder une petite vidéo YouTube. On va la mettre sur la télé. Hop. Et on va regarder le monde de Salomé. Donc j'étais sur mon iPad là pour voir un petit peu ce qu'il fallait faire pour cette semaine. La semaine va être vraiment chargée, encore une fois. J'ai énormément de choses à faire. J'ai énormément de mails à répondre, mais vraiment flemme. Vlogmas, en fait, je marque sur mon iPad ce que j'ai fait, du coup, pour les vlogmas. Donc, on a fait quand même le vlog 12. C'était la moitié des vlogmas. Genre, c'est un truc de ouf. Les cadeaux de Noël, du coup, j'ai vu avec mon père. J'avais oublié quelqu'un. Donc, il faut que je me démerde pour trouver un putain de cadeau pour cette personne. Je suis fatiguée, j'ai envie de rester chez moi. Alors, comme vous pouvez le voir, je stresse énormément. J'ai un gros problème avec ça. Là, mon père m'a appelé, il m'a stressé. Du coup, ça y est, j'ai des plaques
et ça me démange. Ça, c'est vraiment un problème. Quand j'arrive à calmer mon stress et à l'encaisser, là, je n'y arrive absolument plus. Donc, il faut que ça cesse parce que ça me fait mal, ça me brûle. Je fais tout hein, pour enlever ce stress et tout, je fais vraiment tout. Quand je fais quelque chose, genre quand je prends des médocs ou ce genre de choses, ça me shoot et je suis vraiment une larve et j'arrête pas de dormir toute la journée, c'est plus possible. Et quand je les prends pas et que je veux essayer d'aller mieux moi-même, etc., avec d'autres moyens, bah ça fonctionne pas. Donc c'est une catastrophe. Donc bref, ils ont coupé l'eau parce qu'il y a une fuite dans mon immeuble. Donc je n'ai pas d'eau. Enfin, j'ai réussi à me laver les dents et tout le bordel, mais je peux pas me laver le visage. Enfin, je pense pas que j'aurai assez d'eau. Du coup, j'utilise la petite lotion, enfin tonique de chez Sephora. Donc c'est une tonique équilibrante au pH neutre. C'est pas mal, ça nettoie bien la peau. Après, comme je vous ai dit la dernière fois, je crois, je vois pas vraiment d'effet incroyable. J'adore parce que vous avez la vue sur ma serpillière. Vraiment, c'est très nature peinture ici. Et je nettoie bien la peau, quoi. Ensuite, pour ma peau, j'utilise ce petit sérum que là, j'ai quasiment fini. Donc on va le finir là, je pense, maintenant. C'est un sérum anti-imperfection de chez Sephora. Il est vraiment très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'appliquer. C'est très agréable. C'est pas collant. Ça s'absorbe extrêmement vite. Donc franchement, je peux même peut-être utiliser encore un peu. Ah si, encore une utilisation. J'aime vraiment beaucoup les sérums, je trouve que c'est hyper bien parce que ça s'absorbe tellement rapidement et moi ça m'énerve d'attendre à chaque fois que tout soit bien absorbé. Ensuite, je mets tout le temps une crème hydratante pour le contour des yeux. Je vois que ça fait vraiment une différence, pas forcément pour les cernes, tout le bordel, hein, c'est pas pour ça. Mais c'est plus pour le confort des yeux. Moi, ils sont beaucoup moins irrités, surtout en période d'hiver, là, avec ce froid. Il fait moins 15 dehors. C'est hyper important d'hydrater ce genre de petites zones avec la peau très très fine. Il faut hydrater, même au-dessus des yeux et tout, il faut vraiment bien hydrater. C'est hyper important, ça évite les petites ridules. Et pour la crème hydratante, du coup, j'utilise celle de chez... Typologie, elle est basique, elle est bien, enfin je trouve vraiment pas mal, pas besoin d'en mettre énormément, donc c'est celle-là, hein, celle de Typologie, pas besoin d'en mettre énormément, et le tube je pense qu'il va me durer très longtemps, je pense limite un an, donc c'est vraiment rentable, parce que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, et en plus c'est en packaging aluminium, donc c'est recyclable à l'infini, enfin vraiment cette marque est vraiment très cool. Donc voilà pour les soins ce que ça donne. Je mets pas grand chose comme vous pouvez le voir, juste un sérum. Pour moi c'est un basique, un contour des yeux et une crème hydratante. C'est super important et lavez-vous bien le visage avant pour enlever toutes les impuretés de la nuit. Maintenant pour le make-up. Alors moi je ne mets pas de fond de teint, je mets juste de l'anti-cerne, de la poudre. J'ai trop mal au cou par contre là. Donc moi pour les sourcils j'utilise ça. Franchement je suis super contente, ça vient de chez Yves Rocher. Très très bien, c'est la bonne couleur en plus donc je suis trop contente. Et c'est un truc que tu tailles, donc c'est vraiment pratique et c'est économique. Donc après t'as les sourcils vraiment bien marqués, du coup faut bien estomper avec la petite brosse. Mais c'est vrai que j'aime bien retravailler vraiment à la tête du sourcil parce que j'ai beaucoup de trous. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite j'utilise, enfin moi j'ai pas vraiment d'ordre hein, pour le make-up. De toute façon, je suis même pas une make-up artiste, mais quand on le maquille, on fait d'abord les sourcils. Je sais pas pourquoi, ils font les sourcils directement. Et ensuite, l'anti-cerne. J'en applique, hein, parce qu'on est vraiment cerné. Et j'en mets sur toutes mes rougeurs. Et là, comme j'ai mes règles, eh ben, j'en ai pas mal. Oh, et cette partie-là, là, c'est n'importe quoi. Et donc, on ressemble à un Teletubbies. Et ensuite, je vais prendre ma petite brosse. Ça vient de chez Yestal. J'ai tout un trousseau de brosses chez Yestal. Franchement, c'est très très bien. Et on va estomper. Ensuite, je poudrai avec la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Elle dure vraiment longtemps, celle-là, même si elle est un peu chère. Donc, je poudre un petit peu partout, surtout en dessous des yeux. Voilà. Comme ça, ressemble à un petit morceau de plâtre. Et ensuite, pour réchauffer un petit peu tout ça, on va mettre de la poudre. Enfin, un bronzer. Il est où mon bronzer? Donc, c'est le bronzer de chez Oula. Comme vous pouvez le voir, je l'ai très très bien entamé. Ça fait 2 ans que je l'ai. C'est mon père qui me l'avait acheté. Et c'est le format mini. Donc, franchement, le mini, il dure assez longtemps quand même. Donc, j'en mets pour ressembler à quelque chose. Et ensuite, on va mettre le blush. Donc, le blush vient de chez Milano, je crois que c'est ça. C'est toujours les mêmes produits que j'utilise tout le temps. C'est celui-ci, c'est le numéro 5. Il est vraiment super beau. C'est un illuminateur un petit peu. Et c'est ça que je mets quasiment tous les jours. Je mettais jamais de blush parce que je trouvais ça un peu trop bizarre. Mais au final, je trouve que ça donne une petite touche trop mignonne.
Et ensuite je mets, toujours avec le même pinceau, faut bien rentabiliser et optimiser. Cet highlighter là, comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment bien utilisé, c'est celui de chez Natasha Denona. Il est vraiment très très bien, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et ensuite j'utilise un gros pinceau pour essayer de flouter un petit peu, enfin de fondre un peu tout ça. Et le teint est fait. Maintenant on va s'attaquer aux yeux. Alors pour les yeux je fais tout le temps la même chose, je fais un trait d'eyeliner. Soit je fais un trait d'eyeliner avec de la poudre, donc de chez Morphe. Et en gros je fais un trait d'eyeliner avec de la poudre, soit je fais un trait d'eyeliner avec un eyeliner du coup. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je mets, ça c'est une palette que j'ai depuis, mais je crois que c'était ma première palette que Sephora m'avait envoyée. Et c'est grâce à ça que je suis devenue ambassadrice de la marque Sephora Collection. Du coup c'est une palette Féline, je sais même pas si elle est encore disponible. Et je prends le petit marron pour faire un petit creux de paupière et apporter un petit peu plus d'intensité à mon creux de paupière. Parce que j'ai la chance d'avoir une belle forme d'œil. J'ai des yeux de biche. C'est ce qu'ils m'ont dit à Sephora. Ils m'ont dit vous avez des yeux de biche. C'est incroyable. Donc j'en mets vraiment sur... On voit pas vraiment bien avec cette caméra là. Mais j'en mets vraiment sur le côté pour vraiment bien intensifier. J'utilise aussi le petit fard beige. Juste là pour essayer de... Toujours avec le même pinceau. Nous on est toujours avec le même pinceau. Hein, pour essayer de fondre un petit peu au dessus. Et ensuite ce que j'adore faire du coup, c'est mettre les paillettes. Celui-là, ce doré là, il est incroyable. Peut-être vous montrer un peu plus près la palette. Comme ça elle paye pas de mine hein, mais franchement je vous jure elle est incroyable. Donc je mélange du beige, celui-là, avec le pailleté. Il est bientôt fini d'ailleurs. Et je l'applique au doigt et je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, ça rapporte un petit peu de paillettes, vous voyez pas grand chose à la caméra parce que c'est très 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 blanc. Mais c'est plutôt sympa. Et du coup bah, je vais mettre mon liner, donc je vais prendre celui de chez YSL, celui que j'ai reçu la dernière fois dans le calendrier de l'Avent. Alors moi pour les traits d'eyeliner ça va très très vite, je sais les faire assez rapidement vu que j'en fais tous les jours. Donc vous commencez par faire un trait comme ça pour suivre vos yeux et ensuite hop vous mettez, enfin après je sais c'est facile à dire, je sais pas si vous voyez, ouais vous voyez pas grand chose, mais je fais mon trait d'eyeliner. Là j'ai fait un peu épais, mais bon c'est pas grave. Je sais pas si vous entendez le gamin en train de gueuler là. Donc voilà ce que ça donne, soit je le fais en milieu et je fais juste ce côté là, soit je fais tout l'œil. Et là j'ai fait tout l'œil du coup. Donc je vais mettre le mascara, celui-ci de chez Sephora Collection, c'est l'un des meilleurs pour moi, c'est le Size Up. Il est incroyable, je l'ai racheté encore une fois dans mon dernier haul, si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller checker ma vidéo. Et vraiment il dessine super bien ici là. J'ai plus beaucoup de produits sur la brosse, c'est pour ça que j'en ai racheté. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop beau. Alors des fois j'en mets en bas du mascara, des fois je n'en mets pas. Là je pense pas en mettre. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres rouge, mais en format baume qui vient de chez Kiko. Je vous l'ai montré la dernière fois. Il est vraiment très bien celui-là. Il fait des jolies lèvres et tout, assez pulpeuses, glossy et tout. Franchement il est trop trop beau. Il donne ça, il est vraiment super. Bon voilà, le make-up est réalisé, nos deux. Enfin je suis très très blanche à la caméra, mais je vous jure qu'en vrai c'est pas du tout le cas. Je vais essayer de baisser la luminosité. Là vous voyez peut-être mieux. Peut-être, c'est beaucoup mieux pour vous, je sais pas. En tout cas, je vais augmenter parce que moi, je ne vois plus rien. Voilà, donc on va s'occuper des cheveux maintenant. On va les boucler. Alors, j'ai des cheveux extrêmement longs, comme vous pouvez le voir. Je vais les boucler cette partie-là. Je vais pas boucler à la racine. Donc moi, vu que j'ai des cheveux longs, j'aime bien avoir cet aspect un peu ondulé, mais pas trop bouclé non plus. Donc généralement, je boucle à partir de là. Comme ça, bah, les cheveux qui sont nouveaux entre guillemets, bah ils sont pas abîmés. Donc pour les cheveux j'utilise Babyliss. Donc c'est un boucleur comme ceci. En fait ça va t'aspirer la boucle, enfin le cheveu, ça va faire la boucle. Ça fait des années que je l'ai acheté à 20€ je crois chez Babyliss. Maintenant il coûte une centaine d'euros. Mais je l'ai depuis le collège. Donc ça va faire 12 ans que je l'ai. Toujours là, toujours présent. Il est toujours incroyable. Et t'as plusieurs modes. Soit tu fais des grosses boucles, des petites boucles. Donc c'est vraiment trop trop bien. Ouais, ça fait donc 12 ans que je l'ai. 12 ans qu'il m'accompagne dans toutes mes péripéties. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai trouvé peut-être un autre spot. Oh, c'est pas mal comme ça. Pour les cheveux, quand vous bouclez les cheveux, bien sûr, vous brossez les cheveux avant. C'est super important. Parce que si vous avez des nœuds et vous mettez du chaud, bah ça les abîme et ça les nique. Ensuite vous mettez très protecteur, c'est Franck Rouveau, je le mets pas tout le temps, mais quand je les boucle je le fais à chaque fois. Quand je les lisse, non pas forcément. Mais c'est super bien, ça sent super bon, par contre ça glisse sur le parquet. Donc faites attention où est-ce que vous mettez votre produit. Puis bah, je vais vous montrer juste une boucle et après on fera ça en accéléré. Donc je prends à partir de là, et je sais pas si vous avez remarqué mais mes cheveux en fait ils sont déjà séparés. Genre ils ont tellement l'habitude que voilà. Bref, donc t'as des petits bip bip. Là c'est fait.
Et ça te fait une petite boucle. Et ça dure 2 jours. Ça dure pas qu'une seule journée. Enfin, la première journée, c'est bouclé. Et la deuxième journée, c'est ondulé. Allez, c'est parti. Je vous laisse en accélérer. Donc voilà ce que ça donne. Alors, faut que je laisse refroidir un petit peu pour que les boucles se fassent. Mais des fois, voilà, il y avait des petits loupés comme ça. Donc on reprend la boucle. Mais ça m'a pris environ 5 minutes. Je crois, ouais, un peu moins de 5 minutes pour le faire. Donc franchement, c'est super rapide. Tu laisses un petit peu, voilà, refroidir la boucle. Et ensuite, bah, tu prends une brosse, je vais vous la montrer. Tu prends une brosse comme ça, enfin un peigne. Tu prends pas de brosse avec des picots, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Tu prends un peigne et tu démêles avec ce peigne-là. Et après tu mets un petit peu d'huile et basta. Donc pendant ce temps-là, pendant que ça refroidit, on va aller choisir la tenue. Je pense que je vais mettre un pull avec une jupe et des talons, genre des bottes, des cuissardes. Mais je me suis rappelé que le mec est petit. Donc les talons... Oh, punique sa mère, j'en ai marre des mecs petits aussi là. Pourquoi vous êtes petits? Je chiale. Jupe avec ce pull, soit pull avec mon pantalon simili-cuir, je sais pas, on verra. Bon, déjà mes cheveux ont refroidi depuis le temps du coup. Donc je prends le peigne et en fait j'enlève et ça défait les boucles, mais ça fait un petit effet voilà, bouclé, naturel. C'est pas fake, c'est pas un truc trop fake, trop brushingé, trop moche. C'est assez naturel, ça se fond bien. Et surtout moi après ça, de toute façon je mets toujours de l'huile sur mes cheveux. C'est pour ça qu'ils sont beaux et longs. Tout le monde me dit que j'ai des très beaux cheveux, même en vrai les gens me disent waouh, mais Elisa, tes cheveux sont incroyables. J'estime avoir une bonne nature de cheveux, je pense, mais aussi j'en prends vraiment beaucoup soin de mes cheveux parce que c'est ce que je préfère chez moi. Pour les cheveux, j'utilise ce petit truc là de chez Aven, cette huile en fait, c'est un huile de soin pour le corps de base, mais tu peux l'utiliser pour les cheveux. Donc c'est un petit spray, j'en mets dans la main, je chauffe un petit peu et je passe comme ça, et ça en met sur les boucles et tout. Alors peut-être des fois ça défait les boucles vu que c'est de l'huile entre guillemets, donc ça peut défaire, mais ça rend les cheveux super beaux, super brillants. Vous pouvez voir, ils sont vraiment brillants et surtout ça sent super bon. Du coup t'as les cheveux, ils sont bons, ils sont brillants, ils sont souples, ils sont vraiment beaux avec cette huile, j'aime beaucoup. Donc je mets ça, je pense que vous le voyez, hein, j'en mets depuis quand même pas mal de temps vu que c'est un spray à chaque fois que je mets. Trop bien. Donc voilà pour les cheveux, pour la préparation. Maintenant on va s'habiller, c'est parti. Bon alors soit je mets ça, c'est sympathique, c'est mignon, avec des petites cuissardes, je sais pas, parce que j'ai ma culotte de règle, du coup on va voir la trace avec ça. Soit je mets avec ça, ça fait un peu plus street. Pour le déo j'utilise toujours cette marque là, c'est Schmidt. Donc avant j'utilisais celui au charbon, bon là maintenant il est fini. Maintenant j'utilise le coconut pineapple, il est vraiment super bien. Sinon thé bergamote est très bien aussi. Franchement Schmidt, je ne pue pas la transpi, à part quand j'ai mes règles et qu'il y a les hormones qui sont en feu. Mais sinon je ne pue pas la transpi, c'est vraiment très très bien. Et pour le parfum du coup, moi j'utilise des brumes de base chez Rituals. Bon là elle est terminée du coup. Donc j'utilise le parfum de chez... Enfin c'est pas un parfum parce que moi je suis allergique au parfum. Ce bordel dans l'appartement. J'utilise ça, c'est une eau de toilette de chez Yves Rocher que j'ai depuis quand même extrêmement longtemps. Attendez, je vous pose. Vous n'êtes pas droit, mais c'est pas grave. C'est au monoï et ça sent super bon. Et je sais pas quelle heure il est, je suis sûrement en retard, comme d'habitude. De toute façon, il faut m'attendre un petit peu. Il est quelle heure? 13h07, ça va? Je suis pas en retard. J'avais dit qu'on partait à quelle heure? 14h. Bon, je vais ouvrir le calendrier de l'avant, je vais vous montrer ça. Vous voyez même plus la lumière allumée, il n'y a plus de piles. De toute façon, il va falloir que j'enlève ça parce que Prince, il se blesse à chaque fois pour bouffer ça. Il est en train de dormir là-bas, ce petit con. Alors, pour Mademoiselle Bio, je suis trop contente. J'ai enfin reçu des cotons réutilisables. Ça fait longtemps que je voulais tester ça parce que j'utilise des cotons tous les jours et voilà. Mais j'avoue, les cotons réutilisables, en plus, il y en a plein. C'est dans une petite pochette comme ça. Il y en a 1, 2, 3. Je pense que je dois en avoir 10. C'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps, mais à chaque fois, moi, je trouve que ça me dégoûte les cotons réutilisables. S'il y a encore une trace de make-up après le lavage, moi, je peux plus les utiliser. Je suis désolée, j'ai du mal avec ça. J'ai vraiment un toc. C'est que j'arrive pas à utiliser des produits avec des traces encore. Enfin, j'y arrive pas. Là, je pense que je vais mettre par exemple plus la lotion. Les toniques et tout, que me démaquiller avec. Parce que je pense que le démaquillage, ça va pas partir au niveau des cotons. Ah non, attendez, c'était pas ça.
Non, c'était YesStyle ça, pardon, YesStyle. Pour Mademoiselle Bio, du coup, j'ai reçu ça, c'est la marque Patika, c'est un sérum régénérant éclat, encore une fois un sérum, j'adore les sérums. Patika, j'adore, c'est vegan, c'est vraiment très 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 bonne marque et je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester tout ça. Pour My Muesli, j'ai reçu du chocolat, hein, voilà, cette petite tablette de chocolat, et j'ai reçu aussi, donc là ça commence vraiment à être un peu... à déborder, mais je pense que mon père il va bien s'amuser à en manger. J'ai reçu aussi le muesli que je préfère, c'est celui-là, le 3 chocolats, il est très très bon. Rituals, j'ai reçu ça, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de parler. Et je suis trop contente, j'ai envie de le tester maintenant d'ailleurs, c'est un baume teinté rouge de la marque Typologie, c'était un baume que je voulais vraiment tester depuis tellement longtemps. Donc on va le tester maintenant, j'ai trop hâte. Ah, c'est super agréable, j'aime trop, j'adore cet effet glossy. C'est rouge mais sans trop... Enfin si, c'est beau je trouve, c'est vraiment trop beau, ça fait des belles lèvres. Vous voyez ma petite marque rouge là? Ça fait comme un bleu. Et là c'est en train de disparaître au fur et à mesure. Donc je vais un petit peu ranger vite fait le salon parce que là c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Bon bah voilà, c'est beaucoup mieux déjà, au moins c'est propre. Du coup, on va installer les petits trucs comme ça là. Je vais mettre cette senteur quelque part. Alors j'avoue, je sais pas trop comment faire. Faut que je refasse mes ongles d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce que je vais les faire. Mais il faut que je les refasse. Peut-être je les ferai mercredi. Et voilà. C'est stylé quand même. Ouais, je l'ai mis sur le map TV, ça passe. Bon, je n'ai plus de batterie. Je vais commencer à monter la vidéo pour demain, comme ça j'aurai un peu moins de travail pour ce soir. Donc là, je vais aller à mon date. Mais voilà, en fait, pour la morning routine, un petit peu ce que je fais le matin. Là, je vais sur mon ordi, je vais un petit peu bosser aussi un petit peu. Je fais un petit peu de ménage, je me prépare, etc. Donc voilà pour ma morning routine. Vraiment, il n'y a rien d'incroyable, je trouve. Mais bon, ça... C'est ce que je fais quasiment tous les matins. A few moments later. Bon, je viens de rentrer, il est 18h30 je crois. Donc le date s'est bien passé. Je suis restée avec lui 1h30 parce qu'après j'avais un rendez-vous chez... Vous me voyez pas trop. Chez l'esthéticienne. Il fallait que j'aille me faire épiler parce que demain j'ai un shooting photo à 8h du matin. Ça va être très très dur. Je vais mourir, c'est un shooting lingerie. Donc il fallait que je sois épilée au max, max. Donc voilà, j'ai dû aller me faire épiler, c'était génial. Donc demain matin, je vais me lever très tôt. Je pense pas vous prendre demain matin parce que je sens que je vais être dans un état pas possible. Parce que je suis pas du matin comme vous le savez. Mais je sais pas si sur YouTube vous le savez, mais je suis mannequin, je suis modèle lingerie. Et je suis ambassadrice de Sephora, du coup j'ai beaucoup beaucoup de travail avec eux. Et là surtout avec la boîte des fêtes et aussi avec la Saint-Valentin qui arrive. J'ai reçu une nouvelle collection, donc il va falloir shooter tout ça. Et pour ceux qui se demandent, ce travail là du coup je sais pas si vous le verrez parce que j'ai déjà été sur les sites de Undies, mais je sais pas si là ça sera sur le site ou ça sera envoyé dans les espèces de prospectus, vous savez, qu'ils envoient aux influenceurs, etc. Donc des fois c'est moi qui suis dessus. Bref, j'ai dû partir pour aller faire épiler, là je reviens et je dois aller voir un pote ce soir chez lui. Il m'invite à manger, la bouffe gratuite on aime bien, donc je vais peut-être aller chez lui si j'arrive à tout fignoler là sur l'ordinateur. Principe, j'adore, je lui donne sa pâtée parce que là il me regarde en mode Elisa, voilà. Mais sinon voilà, le date s'est bien passé, c'est un chouette type. Heureusement que j'ai pas mis de talon, j'ai mis mon pantalon en semi-cuir, hein, donc heureusement que j'ai pas mis de talon parce qu'il est très petit. Par rapport à moi, j'avais l'impression même en basket d'être plus grande. Je suis d'accord Prince, ouais je suis d'accord. Donc voilà, c'est juste ça le petit défaut entre guillemets, mais sinon ça s'est bien passé, c'est un chouette type, c'est un mec bien, donc je pense que je vais le revoir. Mais là pour l'instant il faut que je mange un petit peu, genre juste un petit peu avant de partir. Ah oui, et du coup, la petite merna qui s'est passée, oui attends deux secondes Prince, j'ai ouvert mon frigo et je voyais il y avait de l'eau de partout. Bon attendez, je devais manger aux fauves. Donc j'étais en mode ok, donc j'ai dû tout nettoyer l'eau qu'il y avait partout là. Ça m'a pris au moins 10 minutes pour tout nettoyer parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'eau. Et là je l'ai remis sur 4. Ouh là 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 là, cet angle de vue incroyable. Tiens mon chacha, je te mets un petit peu d'eau. Oui mon cœur, c'est pour qui ça la pâtée? Ne dégaine ta peur. Je chiale. On va se mettre dans une ambiance cocooning avec un truc, un film. Où est-ce que j'ai rangé mes télécommandes? Voilà, là c'est le bordel. Oh là 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 là. On va se
regarder un truc, allumer la petite bougie. Oh là là, une ambiance incroyable. Bon, il est 19h et quelques, je suis en train de monter la vidéo et je vois que elle est extrêmement longue là, je pensais pas avoir autant parlé ce matin. Donc je vais vous laisser là, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain podcast.